I'm naked, I'm numb, I'm stupid, I'm staying. And if Cupid's got a gun, then he's shooting. Mélodrame psychédélique. À la fin, c'est tout un psychodrame et psychédélique. Vous allez voir. L'acteur s'appelle Cérébrame. Il n'est pas acteur. Jusqu'au jour où il s'est pointé au casting en disant je ne peux pas passer le casting. Il voulait juste passer. Il m'a dit bonjour. Il avait aimé mon film. Il dit oh, mais moi, le cinéma, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Et puis, il était tellement drôle que je lui dis le soir même, je savais qu'il allait être le rôle principal du film. En sortant du film, c'est-à-dire là, ça fait 3 minutes que je suis sorti du film, je suis quasiment sans voix, c'est-à-dire entre ému, donc voilà, pris par l'émotion, je suis encore dans le film, j'ai du mal encore à vraiment m'en détacher. Vous en avez pensé quoi ? Orgasmique, comme film. On a des scènes où on rentre à chaque fois dans des objets, et voilà, c'est un peu une grande, longue pénétration. Dur. Ouais, c'est très métaphorique tout ça. Voilà. Ça montre que c'est quand même dur d'en parler de ce film-là avec ouais, des. C'est une belle. Enfin, ça peut être une belle image. Très intéressant. C'est dans la continuité, je pense, de ces films. Enfin, un petit temps de réadaptation, à mon avis, entre chaque film. Une expérience complètement psychédélique, hors du temps, où on rentre dans un monde le temps de 2h45. Je sais plus exactement combien de temps il dure. Franchement, fort. Ouais. Super, super fort. Enfin, personne n'a jamais fait un film comme ça en fait. C'est un ovni quoi. C'est. Ça se voit que ce mec-là, il a des choses en tête assez balèzes, quoi. Vraiment, on prend une claque, complètement. Ouais. Tu penses qu'il peut marcher en salle ou... Clairement, clairement. Je pense qu'il y a un public pour ça. Comme dit Gaspard lui-même, c'est vraiment un film qui s'adresse en quelque sorte aux adolescents. C'est dommage qu'il ait une interdiction parce que c'est vrai qu'il y a pas... Moins de 16 ans, ouais. Moins de 16 ans, c'est un peu dommage parce que je pense déjà que ça prive un certain public qui pourrait être carrément intéressé, voire fasciné par ce genre de cinéma-là. Il trouvera son public, je pense. Ouais. Mais vu qu'il a quand même été assez reconnu de par le film Irréversible, il est probable qu'il fonctionne. Hein. D'ailleurs, toi, tu fais partie des internautes associés qui ont misé sur le film. Exactement. Et tu regrettes pas ton choix donc. Non, pas du tout. C'est très très voilà. Beau. C'est visuellement. C'est génial. Il faut ouais, le vivre. Tu vas en parler beaucoup autour de toi, tes amis, leur monde. Oui, c'est sûr. De toute façon, j'aime beaucoup son œuvre en général, ouais. Donc c'est évident que je vais en parler. J'adore. C'est vrai. D'aller le voir et amusez-vous bien. Flânez bien.